Hey, salut tout le monde, Zex et l'éponge. Je vous remercie d'avoir suivi ma chaîne. On se retrouve sur Minecraft pour la nouvelle. Enfin, ça fait quelques temps que c'est fait mise à jour, mais aujourd'hui j'ai le temps pour vous faire une vidéo là-dessus. La mise à jour de 1.91 sur Minecraft. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc, là, vous avez vu, il y a un feu de camp. Avant, ça existait que sur PC et maintenant nous sommes sur PS4, mes amis. Ça y est, ils commencent à rajouter des nouvelles choses sur la console. Donc, ce qui est tout à fait bien. Donc, je vous conseille par contre de mettre un feu de camp et les barricader parce que sinon, soit les PNJ ils vont se faire brûler, soit c'est vous. Allez, on va tout de suite aller voir. Ce qui se passe dans le table de craft, on a pas mal de choses qui a été rajouté. Donc on a fumoir, donc on a plusieurs sortes de fumoir. Voilà, au fourneau, on a maintenant au fourneau, oui, voilà. Ensuite on a tailleur de pierre, on a métier de à tisser, on a pupitre. Bon, ça fait longtemps que c'était déjà là. Ensuite le meule, donc feu de camp, oui, on a plusieurs aussi sortes de variétés différentes. On a table de cartographie, aussi table de forge, aussi table d'archerie. Et voilà, je pense que je fais le tour là-dessus. Ici on a aussi le tonneau. Donc il n'y a que le tonneau par là et on regarde sur bon, tout ça c'était déjà là il y a bien longtemps. Ensuite on regarde un peu, on fait le tour de table de craft pour le moment pour voir s'il y a des trucs qui étaient nouveaux. Non, c'est bon, donc je fais le tour. Avant de faire cette vidéo, j'ai commencé déjà à placer des nouveaux objets qui sont été proposés par cette mise à jour. Donc allez, on va aller visiter tout de suite. Donc on va voir déjà le PNJ, ils ont beaucoup changé. Je trouve que ils sont plus joyeux qu'avant. Donc il y a le berger, hein. Il est bien fait, moi je trouve qu'il est bien fait. Ensuite c'est qui lui, on va regarder celui là Ah, le pêcheur, il a le pantalon qui on peut mettre beaucoup de choses dans sa poche pour la pêche. Et ils sont moins farouches qu'avant. Je trouve que les PNJ sont moins farouches qu'avant. Ils sont plus, on va dire, plus tranquilles, plus zen. Donc le berger, on a le berger. Ici, c'est qui? Oui, on a fabricant d'arbres. Mais ce que j'aimerais bien aussi, après oui c'est en cours, hein, enfin j'espère que les PNJ participent aux activités de nous tout simplement, des joueurs. Par exemple si on se fait attaquer par des zombies, ou alors eux-mêmes qui soient autonomes, qui fassent des trucs à part faire des métiers, qui peuvent faire autre chose que leur métier. Donc là ici c'est tout ce que j'ai présenté tout à l'heure sur la table de craft, cartographe. Donc pour ne pas être jaloux, j'ai mis un petit peu partout, hein, le fumoir, exactement la même chose. J'ai essayé de mettre un petit peu partout, comme ça les PNJ ils vont pas être jaloux. Mais j'ai pas encore tout fini, j'ai pas encore tout à fait fini, mais c'est juste pour vous présenter vite fait ce qu'il y en a. Je pense qu'il y en a pas mal de youtubeurs qui sont fans de Minecraft qui ont déjà fait ce genre de vidéo, mais j'espère en tout cas que celle-ci ça va vous plaire tout de même. Si c'est le cas, les amis, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur de lâcher un petit like comme d'habitude. Enfin comme d'habitude, j'entends beaucoup de likes surtout en ce moment. Et voilà, donc je fais le tour, hein, je regardais. Et après, pour la prochaine vidéo, j'aimerais faire un petit combat contre les invasions. C'est aussi des nouvelles sortes de zombies qui est très très difficile à battre. Il faut vraiment être armé. Ah oui, c'est vrai, il y a aussi les boucliers à faire.
Voilà, donc là je fais juste le tour de ce village. Donc là vous avez vu, hein, j'ai un bouclier que je peux remplacer avec ma carte. Donc là je mets là, hop, ici, hop, je prends mon épée, hop, je fais le tour. Ça c'est bien, ça c'est bien pour défendre surtout contre les gros monstres et qui est très difficile à battre. Ouais, maintenant oui, on peut vraiment se défendre comme il faut. Mais il y a encore des choses à faire. Mais en tout cas, je suis très très content. Je suis très très content déjà de ces mises à jour. Ça fait tellement longtemps qu'on attend des choses sur Minecraft et les évolutions. Il y a beaucoup d'évolutions d'ailleurs. Sur Minecraft, on commence à s'approcher de la civilisation. Vous avez vu qu'en bas, il y a une population de PNJ. Hein. Ils spawnent sur chaque porte et chaque lit que vous posez par terre. Et maintenant, chaque objet, ça les touche, ça les fait quelque chose, en tout cas. Voilà. Voilà, mes amis. J'espère, en tout cas, que vous avez passé un très bon moment. J'espère faire le tour de cette mise à jour. Voilà, ça, celui-là, je peux pas. En fait, pour celui-là, en fait, c'est comme une benne. On peut tous les déchets dedans. Et voilà. Donc, je vous laisse là-dessus, mes amis. N'hésitez surtout pas de cliquer sur like, de faire partager. Et puis, toi qui n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner et d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Ciao, ciao!